Ta copine, la façon elle est claire, elle n'est pas claire. Je te dis jusqu'à l'heure là, actuellement je te parle. Je ne sais pas qui choisit entre Lambert et Aladji. Moi je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas du tout. Pourtant le choix il est simple, ma chérie. Le choix il est très simple. Aladji te donne de l'argent. Lambert là il te donne combien? Toi même écoute le prénom. Lambert, il te donne combien? Hein? Tu as vu l'argent et tu hésites en quoi choisir? Hein? Il n'y a pas d'hésitation ma chérie. Très tu bien. Choisis directement Aladji et puis c'est fini. Et tu te cases. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut que j'aille voir le Aladji là. Tu comprends? Il faut que je mette les choses au clair parce que là. D'accord. Attends, je reviens. Ok. Hey. Bon, viens, on va. Tu es là. Ok, d'accord. Donc, c'est comme ça. Hein? Tu m'as dit que tu vas voir Aladji. Bébé? Chérie! Oui, bébé? Hein? Je suis en train d'aller au port. Encore? Bébé, attends, quand est-ce que tu vas rester près de moi à la maison? C'est pas parce que tu es riche aujourd'hui, maintenant tu vas partir, ne pas dormir à la maison avec moi, c'est pas bien. Les marchandises sont arrivées, je dois aller payer, prendre. Mais bébé, c'est pas normal. C'est pas tout le temps là, tu me laisses à la maison. C'est pas bien. Tu es ma femme. Et si je ne veux pas travailler là, on va manger comment? Là, tu as raison. Sinon, moi-même, je ne dors pas chez toi à la maison. On a un réunion familial chez toi à la maison. Donc, tu dois dormir là-bas. Donc, ce soir, je ne dors pas à la maison. Tu vas dormir à la réunion. Il y a un chat qui a disparu là. Donc, ils sont en train de chercher comment retrouver le chat. C'est bon. Tu as compris? C'est bon, je suis en retard. On se dit à demain, ça là. D'accord, bien à demain. Bébé, prends soin de toi. Hein. Y a pas de problème. Les femmes, quand ils ont un peu là, ils ne veulent jamais près de leur mari. Si le Côte d'Ivoire organise le camping, il joue mal, il gagne là. Donc si Béné aussi organise le camping, il peut jouer un mal et rapporter la coupe. Tout est possible dans la vie. On doit organiser le camping. Bébé, tu vas quoi? Je suis foutu. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis foutu. Comment tu as quoi? J'avais 32 millions dans mon sac. Il y avait une enveloppe de 30 millions. Et l'autre enveloppe de 2 millions. J'ai voulu vérifier l'argent sur la hausse. Je n'ai pas trouvé les 2 millions. Aïe! Mais qui peut te faire ça? Mais je t'ai toujours dit, Tu étais avec ta copine, t'es claire, non? Elle est claire, mais elle n'est pas claire. Moi, je t'ai toujours dit ça ici. Mais ce qu'on va faire maintenant, là, on va porter plainte. Tu veux porter plainte contre qui maintenant? Mais tu étais avec qui? Tu as les preuves de ce que tu dis. C'est vrai. Bon, ce qu'on va faire là, j'ai un marabout là. Avec 500 000 francs, on va trouver les 2 millions. Moi, je vais encore sortir 500 000 francs. Mais on dit 2 millions. Il faut qu'on retrouve l'argent là. Mais actuellement, j'ai mal quoi. Salam alaikum. Ah, alaikum salam. Vraiment, ma femme, on a perdu notre argent. Et tu as déjà entendu maintenant qu'on veut partir chez le marabout comme ça? Oui. On doit retrouver l'argent. Non, faut pas pleurer, ne pleure pas, pardon. Vas-y. On parle de 2 millions. Ah, c'est l'argent. Eh, vas-y, tu es fort. Mais toi aussi, tu peux pas me confier. Tu es trop fort, je te jure. Tu peux pas me confier l'argent, là. Qui t'a dit? Ce soir, moi et Matiza, on va trembler ce soir. Je ne dormais pas à la maison. Donne la raison. Donne ça. Voler. Ça veut dire quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça là? C'est combien ça? Attends. Regarde. Attends. Où est-ce qu'il a sorti l'argent maintenant? Tu crois? Non, faut plus dire bébé. Oh. Comment tu peux me faire ça? Bébé, écoute, t'expliquer. Tu vas m'expliquer quoi? Tu veux pas me voler? Je fais tout pour toi. J'assume tous les frais de la maison. Tous tes vêtements, c'est moi. Tcho. Ah, bébé. Oh, c'est bon. Bébé, moi-même, tiens. J'arrête, c'est fini. C'est bon. Tu arrêtes quoi, bébé? Je vais aller chez mes parents. Je ne peux pas rester dedans. Tiens. Bébé, ne me touche pas!
Tu vas où maintenant? Je vais chez mes parents. Non. Tu ne vas pas chez mes parents. On va faire comme en Europe. Tu prends tes affaires, tu quittes chez moi, puisque c'est moi qui paye. Oh. Va chercher tes affaires. Va chercher tes affaires, tu ne t'en vas. Elle est célibataire et puis elle est mariée en même temps. Attends, 2 millions n'est pas 2 000 personnes, non? C'est pas grave. Ça veut dire que tu me parles depuis toujours. Oui. Vas-y. Vas-y, ton parent. Va chercher tes affaires.